Salut, ça c'est notre ami Francky. Salut, ça biche. Et il a quelques légers problèmes d'estime de soi. Oui, vraiment très léger. Je suis nul, je suis pas intéressant, les autres sont mieux que moi. Je comprends pas pourquoi ma petite chérie reste avec moi. Va-t-il réussir à changer? Et comment est-ce qu'il va s'y prendre à la fin de la vidéo pour ça? J'ai pas de valeur, ben, parce qu'on me l'a montré. Parce que des gens me l'ont dit, parce qu'on m'a rejeté. Parce que la vie, à des moments, m'a montré ce feedback. Donc, exercice numéro 1, c'est d'écrire ta définition de toi. Si ton nom était dans le dictionnaire, qu'est-ce qui serait écrit? Quelle serait cette définition que tu trouverais? Le monde extérieur et les autres vont toujours chercher à te définir de mille et une façons différentes, bonnes ou mauvaises. Celui qui développe son estime de lui, c'est celui qui dit « maintenant, c'est moi qui détermine ce que je suis. Je ne laisse plus l'extérieur me définir, plus jamais. » Écris bien quelque part cette définition-là avec moi. Même si au début, tu n'y crois pas, c'est normal. Tu vas avancer grâce à toutes les clés, tu vas voir. « Je suis beau. » J'écris en même temps que toi. Copie pas. Ou « Je suis belle. J'ai de la valeur. » Est-ce que tu crois que quelqu'un, par exemple, qui devient champion, avant de le devenir, il n'ose pas se dire « je vais devenir champion » et dire « non, j'ose pas, si c'est pas vrai, j'y crois pas. » Il va se le mettre dans le crâne encore, encore, encore. Et de plus en plus, ça va l'aider à le rendre réel. Et ça commence par définir les choses. Il y a plein de beauté et de choses magnifiques en moi. Ce que je suis, ce que j'ai à apporter, a beaucoup de valeur. J'ai, et je continue d'écrire avec toi, j'ai beaucoup de valeur pour le monde. Je suis unique, avec un potentiel unique et des choses uniques à apporter au monde et à autrui. J'ai le droit et je mérite d'être heureux, heureuse, d'être respecté, d'être considéré, d'être écouté, d'être reconnu dans mes qualités, d'être aimé. Ça, c'est quand on bosse ensemble l'amour de soi dans les vidéos. Travaille cette définition, c'est une pierre fondatrice très importante. Peaufine-la, travaille-la, complète-la, modifie-la, enrichis-la. Et tu vas voir, grâce à tous les exercices qu'on va faire, ça va t'aider de plus en plus à y croire et à te l'approprier. Et bien sûr, commence déjà par la lire sincèrement tous les jours, tous les matins. On en reparle plus tard. Oui, j'écris. Je suis beau. J'ai de la valeur. Je suis quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Ah ouais, je continue. Et c'est ça, la vérité, la réalité. Oui, ma feuille est longue. Et point, barre, c'est pas autre chose, la vérité. Ah, c'est vrai, déjà, ça fait du bien. Oui, mais le problème, c'est que j'y crois pas encore. J'ai beau me dire ça, me répéter ça, me dire que c'est la vérité, bah moi, c'est plus fort que moi, je le prends pas pour la vérité. Du coup, comment est-ce que je peux bien faire? Il y a vraiment plein de belles choses en moi. C'est faux. Exercice 2. Si je prends ce petit bout de bâton tout pété et que je me focalise sur ses défauts en disant « bah il est tout petit, il est tout mloumlou, tout moumou à cause de la pluie, il est noirci par l'usure, il est abîmé là, tiens d'ailleurs il continue de s'abîmer. » Évidemment ça me reflète des choses mauvaises sur lui et qu'il n'a pas de valeur. Même si on est d'accord là, ça reste un petit bout de bâton. Mais si je zoome sur ses qualités, que je dis « ah quand même, la forme de ses écorces, c'est joli, ça fait beau, artistique, c'est une belle création de la nature. » Si je me dis aussi « c'est un morceau d'un arbre plus grand que lui. » Et en ça, ben, il représente quelque chose de beau, un arbre, la vie. Si je regarde le jeu des formes et des couleurs, je peux voir qu'il y a des belles formes, des belles couleurs aussi dessus. Le blanc, les tons de blanc, de noir. C'est encore le coq qui chante. Il y a un moment, on a acheté des poules et l'une des poules, on croyait que c'était un coq. On croyait que c'était une poule et en fait, c'est un coq. Maintenant, il est là, il est là. Hey, Coco, t'es en retard là, hein, c'est plus le matin. Hein. Même il y a des petits bouts de mousse dessus. Et bien, ces petits bouts de mousse aussi, ils sont jolis. C'est beau, c'est vert, ces formes, ces couleurs. Donc ça peut me refléter quelque chose de plus beau, qu'il a plus de valeur, ce bâton. Donc prends le temps d'écrire la liste des qualités, des beautés et des choses de valeur qu'il y a en toi en général. Par exemple, je chante bien. Je te garantis que tu as au moins 20, 30, 40, 50 qualités que tu peux mettre sur ta liste. Je te vois venir, hein, j'ai l'habitude de vous aider. Oui, mais... J'arrive que à en mettre 2, 3, 4, 5, 8, 10 et je suis orgueilleux si je mets tout ça. Tu as beaucoup plus de qualités que tu le penses. Je te conseille concrètement de t'observer tout au long de la journée. Et puis à un moment, par exemple, si tu es gentil avec quelqu'un, ah,
de te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas la qualité gentillesse? Oui, je peux la rajouter. Bon, mon toutou. Si à un moment, par exemple, tu oses faire quelque chose, même si à un moment, tu n'oses pas faire un autre truc, mais là, tu oses, tu peux noter, ok, bah, par exemple, du courage ou de l'audace. À un moment, ça peut être de la gentillesse, de la sincérité, de l'empathie. Ou à un moment, c'est les chevals qui crient. En faisant gaffe, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plein de qualités qui ressortent de toi. C'est juste que tu ne les voyais pas assez. Ok, je comprends mieux. Donc, déjà, beaux cheveux soyeux. Ça, c'est noté sur ma liste. Et aussi, j'ai pas la banane souvent quand même, malgré tout. Et aussi, la banane, le sourire, ça, c'est une qualité. Et aussi, j'ai pas que de l'amour pour mon prochain. De l'amour, ça, c'est noté. Ah, c'est vrai, quand même, quand je vois toutes ces belles choses en moi, je me dis que j'ai de la valeur. Oui, mais... Je sais pas, malgré tout encore, ça veut pas tout rentrer dans la tête. Je me dis encore que j'ai pas assez de valeur, j'y crois pas encore complètement. Ouais, je me dis que tout ça, finalement, c'est des bêtises, que c'est pas la vérité. Et finalement, que je ne me fais que des illusions. Donc, exercice 3. Contacte des gens proches de confiance avec qui tu as un beau lien. Ose dire que là, tu fais un travail sur ton estime de toi et que tu as besoin de leur retour sincère. Et je surligne le sincère pour pas te dire « oui, mais... » Ils me disent que j'ai telle qualité, mais c'est parce qu'ils me mentent, c'est pour être gentil avec moi et tout ça. À un moment, il faut oser se dire « c'est vrai ce qu'on me dit ». Maman toutou, oui tu veux aller balader coquillou. Mon toutou chien, oh il va des câlins de l'amour, Simba comme toujours. Demande-leur de prendre un vrai temps, plusieurs jours, une semaine, deux semaines, dès qu'ils peuvent. De vraiment prendre un peu de temps, c'est important pour toi, pour faire cet exercice. Tu vas voir que quand tu vas avoir tous ces beaux retours, et souvent même inattendus, ce retour de l'extérieur, ça va aussi faire beaucoup de bien à ton estime de toi et ça va venir renforcer, compléter, enrichir l'exercice que tu as fait avant et celui d'après, très important aussi. Bip 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 bip. Oui, salut Bibi, c'est Francky, comment ça va? C'est que de l'amour. Écoute, je voulais te demander la liste de mes qualités. Ouais, je fais un travail sur mon estime de moi, là, il y en avait bien besoin. Ouais, si tu veux bien, prends quelques jours. Ça me rendrait un vrai service, c'est que de l'amour. Tu réfléchis sincèrement à toutes les qualités que je peux avoir pour toi et on se bigophone et tu me dis ça, ça roule. Allez, merci ma biche. Bip. Oui, mais quand même, j'ai encore du mal à y croire complètement. Je suis nul. Je suis fucking nul. Exercice 4, absolument capital aussi. Comment est-ce que tu as appris à marcher? Comment est-ce que tu as appris à lire? Comment est-ce que tu as appris à écrire, à parler, à compter? Comment tu as appris ton métier ou à jouer d'un instrument par exemple? Tu t'es entraîné régulièrement et de plus en plus tu as progressé. L'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, on va en parler après. Et tout le reste en psychologie, c'est de l'entraînement. Donc première chose, tous les matins en te levant, quand tu es encore allongé dans ton plumard, prends le temps de pratiquer tous les exercices qu'on a dit là. Alors, je te dis pas d'appeler tout le monde, mais si tu l'as déjà fait, relis aussi ce qu'ils t'ont dit. De fermer les yeux, de te dire à l'intérieur de toi, c'est la vérité. C'est la réalité, toutes ces choses. Si tu as vu ma vidéo sur l'amour de soi, tu peux compléter ensemble tous ces merveilleux exercices. Aussi, dans la journée, régulièrement. Oh, dis donc. Ça est henni dur. On a de la compagnie, là. Oui, jolie belle. Elle vient manger un peu d'herbe qui reste là dans le champ. Sois proactif, n'attends pas que ça aille pas pour pratiquer ça. Régulièrement, tout au long de la journée. Et tous les jours, pendant plusieurs semaines, un mois, deux mois, pratique bien ça, relis ça, dis-toi ces choses-là. La répétition est la clé de l'apprentissage. T'es beau et t'as plein de valeur en toi, mon petit Francky. T'es beau et t'as plein de valeur en toi, mon petit Francky. T'es beau et t'as plein de valeur en toi, mon petit Francky. Je suis beau et j'ai plein de belles valeurs en moi. Hey, à force, ça rentre quand même ici et ici, hein. C'est flex. Donc maintenant, si je résume bien ce que je vais faire. Exercice 1, je vais faire ma définition de moi, je vais bien travailler dessus et me dire que la vérité, c'est ça et rien d'autre que ça. 2, je vais bien bosser à faire la liste des valeurs et des qualités, des beautés qu'il y a en moi. Et je dois noter au moins 30-40 qualités au final parce que je les ai, il faut juste que je les vois. Et en m'entraînant, je vais progresser. Exercice numéro 3, j'appelle des gens pour qui j'ai que de l'amour et qui me connaissent bien et qui voient les beautés en moi et qui vont me dire vraiment sincèrement pour eux la liste de mes qualités, ça va faire chaud au cœur ce retour. Puis exercice 4, c'est vraiment de bien m'entraîner chaque jour en mode training. C'est pareil que pour bosser l'amour de soi, c'est de l'entraînement. Puis à mesure, ça va rentrer dans la cabeza et dans le cœur. C'est que de l'amour. Oui,
Mais le problème, c'est aussi que je manque de confiance en moi. Et comment je vais pouvoir faire pour ça? Y a pas de souci. Donc, pour développer ta confiance en toi, regarde absolument la vidéo suivante qui va venir là. Accroche-toi, on continue ensemble. Oh, mon petit Fred, avec toi, c'est cool, ça roule. Mais d'abord, pense bien, mon ami, à soutenir tout ça en laissant un petit like, un petit comme en disant « c'est que de l'amour ». Et aussi en partageant tout cet amour autour de toi. Et on compte sur toi, c'est vraiment important, t'as même pas idée à quel point. C'est parti pour la prochaine vidéo. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon.